Bonjour, bienvenue. Entrez là, j'allais regarder les conditions des vagues sur le spot de Saint-Leu. Je m'appelle Attilion Calves, j'ai 15 ans et j'habite à La Réunion, sur Saint-Gilles-les-Bains. Mais là, je vois qu'il y aura 1,80 m tout à l'heure sur Saint-Leu, avec un petit peu de vent. Mais j'annonce de bonnes conditions et une bonne période des vagues. Ouais, bon, bah, je vais y aller, hein. Je vais aller surfer avec mon père. Et des bonnes vagues. Allez, c'est parti. Quand j'allais à la plage avec mes parents, je voyais des personnes qui surfaient sur l'eau et ça me donnait envie. Je voyais qu'ils glissaient sur l'eau. Et j'aime bien les vagues, la sensation du surf, c'est exceptionnel. Heureux, épanoui dans l'océan. Hein. Il adore la mer, il adore surfer. Donc heureux, il aime le côté ludique des choses, donc il s'amuse, il prend du plaisir. J'aime faire des manœuvres sur l'eau, c'est bien de glisser. T'as la sensation quand tu prends des grosses vagues et tu t'éclates sur l'eau, tu prends du plaisir. J'adore. Ça fait 5 ans que je suis athlète de haut niveau et j'ai pris mes cours au CNED par correspondance pour que je puisse surfer et en même temps travailler parce que je ne peux pas suivre mes cours au collège. L'après-midi, consacre son après-midi à ses devoirs du CNED. Donc il doit travailler seul, ce qui n'est pas évident et c'est très 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 difficile hein, pour lui hein, de travailler seul. Quand on est surfeur, hein, on aime plus passer son temps dans l'océan que assis sur une chaise à faire ses devoirs. Hein. L'année dernière, j'ai fait champion de France. J'étais très fier de moi. C'est mon meilleur palmarès, ça. Cette année, j'ai fait quatrième en finale en championnat de France aussi. Mais c'était plus compliqué, j'avais changé de catégorie, donc je suis autant fier que l'année dernière. À côté du surf, j'aime bien faire de la chasse sous-marine, attraper les poissons et tout, et ramener à la case et faire des bons petits caries pour maman et papa. Mes rêves sont d'aller surfer les meilleures vagues au monde, à Tahiti, à Hawaï, en Indonésie, apprendre les langues, l'anglais surtout, pour être au top et voyager beaucoup. Mes projets, ce serait de bosser, et d'être le meilleur dans les compétitions. Et je continuerai le surf, parce que j'adore ça, je peux pas arrêter.